C'est parti. La patrouille reprend pour Joël. Un cambriolage vient d'être signalé dans les beaux quartiers. Les policiers se rendent sur place. Bonsoir. Bonsoir. C'est chez vous donc. Bonsoir. Comment ? C'est chez vous donc. Oui. Cet homme, c'est le propriétaire de ce luxueux appartement. Il travaillait cette nuit. C'est en rentrant chez lui vers 4h du matin qu'il a constaté le cambriolage. Je viens de rentrer chez moi, je viens de découvrir voilà, le fouillis, le désordre total, et ils ont fouillé partout, voilà. Le préjudice est élevé. La victime avait oublié de fermer son coffre-fort. Il contenait une montre de luxe et des bijoux de valeur. J'avais une Rolex, j'en ai deux, donc j'ai celle-ci, j'ai l'autre qui est en acier. Donc celle-là, elle a disparu. Voilà. Et ensuite, j'avais des bijoux, j'avais une croix en tout en diamant et en or. À vue d'œil, c'est minimum 5000 euros. Ah bah, oui. Mais la victime va bientôt constater qu'un autre objet a disparu. Oui, bah... Je viens de voir. Oui. Mon téléphone vertu en diamant qui est parti. Je viens de le voir à l'instant. La victime vient de s'en rendre compte. Les voleurs ont aussi emporté un téléphone portable incrusté de diamants. Je pourrais même pas faire valoir les droits puisque j'ai pas la facture. C'est un prince saoudien qui m'a offert ça au crayon il y a 4-5 ans. Donc c'est perdu. L'homme est sous le choc. C'est la première fois qu'il est cambriolé. C'est de la déception, du dégoût, c'est un cumul, c'est-à-dire ce sont des choses que vous avez accumulées. Il y avait des cadeaux de mes parents, des pièces d'or, par exemple. Ça, c'est plus sentimental que matériel, vous voyez. On m'avait toujours dit, le truc, il faut toujours faire attention quand on invite au premier étage. Je me suis dit jamais, dans le 17e. Eh bien, ça m'est arrivé, voilà. On n'est jamais à l'abri. Ces cambriolages dans les beaux appartements, la police appelle ça du fric-frac. Mais cette fois-ci, les voleurs n'ont pas commis d'effraction. La victime avait laissé une fenêtre ouverte. S'il y avait une échelle, il l'aurait laissée à côté. Le mec, il va pas la reposer, je pense pas. Ouais, c'est faisable. Montons là, tac, là, sur le rebord, sauter. Une fenêtre entrouverte au premier étage. Pas besoin d'être un as de l'escalade pour y parvenir. Les cambrioleurs ont saisi l'opportunité. Cette fois encore, ils échapperont à la police.